Né à Billy-Montigny dans le Pas-de-Calais, Mathieu Boderlic a débuté la boxe à l'âge de 14 ans. C'est son père, ancien boxeur, qui l'emmène pour la première fois dans une salle de boxe. J'ai accroché directement par la combativité et l'agressivité de la boxe. C'est le noblat, c'est le respect de l'adversaire en fin de combat, c'est beau. C'est beau à voir. Tant de combativité pour à la fin se prendre dans les bras et se féliciter l'un l'autre. Jeune boxeur talentueux, Mathieu gagne à 17 ans le titre de champion de France junior et intègre l'INSEP. L'expérience parisienne est difficile. En 2011, il rate sa qualification pour les Jeux Olympiques de Londres et pense alors à raccrocher les gants. Le haut niveau, il n'y a pas de mystère, il faut travailler, il faut être bien dans sa tête. Un sportif du niveau, c'est quelque chose de très fragile. Le premier adversaire, c'est le poids pour les boxeurs. Donc ça veut dire qu'il faut, il était au régime, et voilà, il n'en pouvait plus. Et puis, dès qu'il se lâchait, on lui reprenait 5-6 kilos, ça devenait très dur. On a discuté avec son père, et il a arrêté l'INSEP, il est revenu au club. Le Boxing Club du niveau, c'est un club formateur et en même temps, c'est un club familial. On l'a remis en route tout doucement, on lui a expliqué, bon, c'est fini, tu vas monter pro, et puis on va te mettre à 80 kilos. Et là, c'était le jour et la nuit. Champion du monde en 2015, Mathieu réalise enfin son rêve en se qualifiant pour Rio. Pour représenter la France quand même, c'est énorme. C'est quelque chose de fantastique. Pas mal, ça va bien se passer. Jamais bien loin du ring, son père lui donne toujours de précieux conseils. Fais-toi plaisir, quoi. Lâche tes coups. Pas sur 8 rounds que ça va se passer, ça va aller très très vite. Je suis très fier d'un Mathieu. C'est un gros travailleur. Les 10 premiers ont leur chance. Il les vaut largement. C'est un rêve de gosse qui revient. Un de ses rêves à lui. Pas le nôtre, hein. On rêve pas que nos gosses prennent des coups. Pour la première fois cette année, les boxeurs professionnels peuvent participer aux Jeux Olympiques. Je suis champion du monde APB, professionnel, que je pense être attendu pour les Jeux de Rio. Mentalement, il est très fort. C'est un travailleur. Et sur un ring, c'est un fauve, donc voilà. C'est ce qu'on demande. Quand je boxe, non, j'ai pas forcément de crainte. Hein. J'ai toujours la crainte de perdre, oui. Mais sinon, non, je monte assez serein sur les rings. Faire les JO, c'est le rêve de tous les sportifs. Moi, à chaque fois que je discute avec des athlètes, bon, les championnats du monde, les championnats d'Europe, mais c'est les JO qui font rêver les gamins. Je n'irai pas pour la figuration, hein. J'espère que ça paiera. Le titre olympique, ouais, c'est un rêve pour tout le monde, je pense. Pour encourager Mathieu, rendez-vous le 5 août pour le début du tournoi olympique.